Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va vous intéresser particulièrement car on parle des lisières. Les lisières sont un sujet traumatisant quand on commence. Il y en a à toutes les sauces et il y en a pour tous les goûts. Et les gens disent toutes sortes de choses et de toutes sortes de manières, on dirait que personne, à part des tricoteuses averties, là, comprend la lisière. C'est vraiment nébuleux. Et particulièrement dans les revues, on n'explique pas vraiment la lisière. Puis je vais vous expliquer pourquoi on n'explique pas la lisière dans les revues. OK? Parce que c'est vraiment les gens qui se sont mis à mélanger les informations, là, parce qu'ils sont très bien expliqués dans les patrons ou dans. C'est juste que tout le monde en a mis de son petit grain de sel et ça l'a tout mélangé les informations sur les lisières. Alors, si vous êtes débutante, puis qu'on vous a lancé plein d'informations à droite et à gauche, genre tu glisses-tu la première, toi? Est-ce qu'on t'a montré à glisser la première maille? Est-ce que. C'est quoi ça? OK? C'est rien du tout. C'est rien pantoute. C'est nul comme information. Parce que oui, il y a certaines sortes de lisières qu'on va glisser la maille, mais c'est beaucoup plus que dire est-ce que tu glisses la première? Faut parler de la situation dans laquelle on est. Faut parler du type de lisière qu'on va faire parce qu'il y en a plusieurs qu'on glisse les mailles. À quoi elle sert? Il y a plein de choses à savoir. Alors, je vais essayer de débrouiller ça avec vous pour vous donner la meilleure explication technique des mailles lisières. D'accord? Ça sera pas long. Je vous reviens avec mes petits échantillons. Premièrement, lorsque vous débutez le tricot, vous allez apprendre le point mousse. Alors, pour toutes les personnes qui ont la chance et qui ont décidé de suivre mon cours, apprendre le tricot pas à pas, que vous retrouvez sur une même playlist sur ma chaîne YouTube, OK? Vous connaissez déjà le pourquoi d'avoir une lisière adaptée au point que vous faites. Alors, on va expliquer en gros aux autres et ils iront voir les vidéos pour avoir une aussi belle couture. Alors, le point mousse, OK? C'est le premier point que vous apprenez souvent au tricot. Et lui, lorsque je veux le coude, comme j'ai expliqué dans les vidéos que je vous montrais à le construire, les mailles lisières sont les mailles du point. OK? Alors, si vous remarquez ici, vous voyez que c'est mon point mousse qui est débuté à la première, comme à la dernière, mais là, il est dans la couture. Et j'ai pas fait de mailles glissées ou de talalala, là. J'ai seulement tricoté en point mousse pour pouvoir avoir une des plus belles coutures qui est invisible. Alors, pour avoir une belle couture comme ça, simplement respectez mon point. C'est tout. Et si on veut parler de ma lisière dans le cas ici, on va dire que j'avais des lisières en point mousse. Comme ça. Et d'un. Maintenant, jersey en droit. Deuxième point que vous apprenez souvent au tricot. Jersey en droit. OK. Super de belles coutures en jersey en droit. Parce que ma maille lisière, OK. Des fois, là, on va entendre une maille couture, lisière couture. OK. C'est la maille du point. OK. Autrement dit, tantôt, j'étais en point mousse. La maille couture était en point mousse. Et là, cette fois-ci, est en jersey. Alors, si votre patron vous fait, je ne sais pas moi, un petit chandail en jersey, c'est sûr qu'on ne vous parlera pas de lisière, là, parce que
C'est dedans. C'est dans votre point de jersey, la lisière. OK? C'est très rare dans un patron qu'on va dire après la main lisière. Non. Vous devez savoir ça. OK? C'est quelque chose que vous devez savoir techniquement avant de prendre un patron. Alors, ici, pour réaliser ma couture, il fallait que mes mailles lisières, qui sont les mailles de chaque côté, hein, maille lisière, c'est toujours la première et la dernière maille de mon travail. Et là, pour le moment, le point, c'est du jersey, donc c'est plus confondant comme explication, mais si j'avais de la broderie fantaisie ou peu importe, ben ma maille lisière ressemblerait pas à mon point, là. OK? Si je ferais une maille de jersey, une lisière jersey, OK? Au lieu de dire une lisière couture, on va dire une lisière de jersey. En droit. Parce que aussi, je vous ai appris à faire du jersey en verre. Donc, ici, la maille lisière pour le faire est en jersey en verre. OK? Ma première et ma dernière maille sont des mailles lisières en jersey en verre. OK? Encore là, c'est une maille lisière couture. Mais comme mon point, pour avoir une couture invisible. OK? On est rendu à trois, là. Trois sortes de lisière. Quatrième sorte de lisière, le point de riz. Celle-ci, la lisière du point de riz. Oui, est en point de riz, mais c'est pas la sorte de lisière qui est importante. C'est le nombre de mailles lorsque je veux faire une couture. Je ne peux pas faire une aussi belle couture si j'ai un nombre impair de chaque côté. OK? Parce que la première et la dernière vont être la même. Alors, lorsque je vais coudre, ça va coudre égal, là. Ça va être tout par palier. Tandis que ici, j'avais un nombre pair et un nombre pair. Alors, quand je suis venu pour coudre, ben, les mailles, ils se sont emboîtés, là. Hein? Comme dans mon point de riz. Parce que le début de lui n'est pas la fin de lui. Okay? Lui, c'est la dernière maille, c'est comme la deuxième, puis elle, c'est la première. Alors, cloc, ça s'est placé tout seul pendant que je faisais ma couture. C'est pour ça que c'est égal en bas. Alors, lui aussi, vous pouvez aller voir les vidéos qui concernent le point de riz. Pour bien apprendre à construire votre point de riz lorsque vous allez faire votre couture. Alors, ce qu'on retient ici, c'est pas la maille lisière. Oui, il y en a une, mais c'est le nombre de mailles que j'ai besoin pour pouvoir coudre. Pour avoir une belle finition. On continue. Décompte. Hein? Ça, c'est la bête noire. Je pense de toutes les tricoteuses, la couture des côtes. Et bibitte. On peut savoir tout de suite là, si quelqu'un l'a fait à la main, travaille le projet, juste à regarder la couture des côtes. Ça prend 10 secondes, on sait. La personne l'a fait à la main. Elle pourrait avoir tricoté le mieux son projet. Mais si ses côtes sont mal cousues, ça se voit à l'œil, là. C'est tout de suite. Ça se voit du coin de la rue. Malheureusement, mais ça vient entacher le travail. Alors, lorsque je fais des côtes 1, hein, ma lisière couture est en côte 1, mais cette fois-ci, je dois avoir un nombre impair parce que ma couture va être faite à l'intérieur de la première maille et de la dernière maille. Regardez, ici, on voit la première là, du carré. C'est une maille en droit. Puis ici, je vois la dernière du carré, qui est un autre maille en droit. OK? Alors, lorsque je viens coudre ici au centre, je rapproche la moitié de une avec la moitié de l'autre. Donc, pour cette couture, vous irez voir aussi des vidéos qui concernent, dans mon cours pas à pas, qui concernent les coutures de côte 1. Et vous allez comprendre. Mais ici, j'en ai des lisières. Mais elles sont en côte 1.
Mais ce qui est important de savoir, c'est le nombre de mailles que j'ai besoin quand je fais ma couture. Et là, ça va arriver très, très, très souvent que vous allez être obligé de corriger le patron que vous allez faire en ajoutant ou en soustrayant une maille pour pouvoir obtenir la belle couture. OK? Sinon, ben, ça va donner toujours un délai ou ça va vous faire une plus grosse couture parce que vous allez être obligé de coudre après une maille. Donc, ça va donner une plus grosse couture là, pour le qu'est-ce qui est les côtes. Et des fois, c'est ça qui vient bouger, là, puis ça vient un peu scraper la couture de la côte. Alors, pour la côte 1, c'est dit. Et maintenant, pour la côte 2-2. C'est quel type de lisière j'ai pris ici? Encore là, comme mon point. La première et la dernière, OK, de chaque carré sont en main en droit. OK. Alors là, je pourrais dire autre chose aussi. Je pourrais dire ma couture de mes côtes 2-2, puisque j'ai pris un nombre de mailles. On ne pourra pas dire impair ici, on va fonctionner en multiple parce qu'ici, on a un point. Hein? Un point multiple qui est un multiple de 4. Alors, on a ajouté un plus 2 pour que j'ai deux fois deux endroits qui viennent se coller. Deux endroits à la fin et deux endroits ici. Et là, vous ne voyez pas les deux autres là, parce qu'ils sont basculés dans ma couture. Pour me donner une belle finition comme ici, comme le reste de mon point. Alors, le bas de votre chandail ou de votre tuque va être magnifique, mais faut être sûr d'avoir le bon nombre. Alors, encore là, ça arrive très souvent qu'on est obligé de corriger la personne qui a fait le patron pour obtenir ça dans notre couture. C'est clair comme ça. C'est pas plus dur que ça, les lisières. Les lisières, c'est hyper important. Oui, on en a, c'est celle avec on se sert pour la couture, mais faut savoir laquelle utiliser, là. Si j'avais glissé des mailles dans ça serait jamais aussi beau que ça, là. OK? Là, on va être rendu. On va jaser de la maille glissée des lisières. Bon. OK. On va se parler de la maille lisière perlée. OK? Et donc, on va parler de la maille glissée. Ici, voyez-vous, j'ai une maille lisière perlée. Voyez-vous toutes les petites boules là? C'est ce qui donne une rigidité un petit peu à mon tricot. Chose que j'avais pas quand je faisais seulement le point de jersey. Que je préfère de beaucoup à une couture comme ça ici. En plus, dans les plus grosses laines, ça grossit la couture. Okay? Mais c'est un type de couture. Moi, je l'emploie pratiquement pas. J'aime mieux le point de jersey comme lisière de couture avec du jersey. Je trouve que sa flexibilité reste là. Elle se garde mieux. Okay? Et en plus, ça fait moins de petites coches là sur le bord de ma couture. Okay? Ça enlève cette petite. Ça donne comme une réticence sur une des mailles. Alors, c'est moins joli là, lorsque je fais ma couture. Donc, maintenant qu'on en a parlé, on va l'expliquer. Pourquoi on dit une maille glissée? Ben, dans le cas ici, c'est simple. Lorsque je fais du jersey, parce que c'est à peu près juste dans des cas de jersey qu'on l'emploie, ou quand on fait de la dentelle. Ça peut arriver aussi quand on fait de la dentelle. Ou le cas le plus souvent qu'on va l'employer, c'est lorsqu'on fait des côtes anglaises, double. Okay? La vraie côte anglaise. Parce que maintenant, des côtes anglaises, il y en a des centaines de sortes de copies, là. Quand on sera rendu dans ce chapitre-là, je vous expliquerai les différences entre les côtes anglaises. Mais ici, là, vous allez vous en souvenir, là, on s'en sert surtout lorsque on a un rang qui disparaît. Comme la côte anglaise,
Il y a un rang sur deux qui disparaît, OK? Dans le point, puisqu'on va toujours chercher la maille dans le rang précédent. Alors, la côte perlée ici, la lisière perlée, ben, ça fait une belle job pour ça, pour les coutures de ça. OK? Plus belle que si je la ferais en jersey régulière. Alors, pour faire celle-ci, OK? Je vais glisser toujours la première. OK? Mon fil est derrière. Et je l'ai glissé à l'endroit en passant. Hein? OK? Ça, c'est très, très important, là. Marquez ça. Glisser la maille à l'endroit. Le fil est derrière. Et je vais tricoter mon point. Là, ici, j'ai du jersey en droit. Donc, je vais tricoter à l'endroit. Okay. Qu'est-ce que je fais pour la dernière? C'est simple. Je la tricote toujours à l'endroit. Alors, pour la lisière perlée, c'est exactement ça qu'on fait tout le temps. Même si je suis en jersey en vert, si j'ai du jersey en vert de l'autre côté, mais je vais glisser la première à l'endroit et là, c'est hyper important. Quand vous débutez, là, des fois, vous ne savez pas que de glisser une maille à l'envers, c'est pas avec le... OK? Une maille à l'endroit, excusez, je me trompe là. Je suis rendu à une autre explication. Quand je glisse une maille à l'endroit, si mon fil n'est pas derrière, ça ne fera pas de maille à l'endroit. OK? Correct? Parce que là, c'est suivi de maille à l'envers. Alors... Si, mettons, je la glisse comme ça à l'endroit, OK, je l'ai faite à l'endroit, mais que je reprends mon fil par devant comme ça, je le garde comme ça, puis je tricote à l'envers, ben ma maille lisière, elle s'est pas faite. On l'a défaite. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont dire, hey, moi, ça fait bizarre, ça fait des lisières sur un bord, puis des petites boules sur l'autre. J'ai pas la même sorte de lisière. Mais c'est à cause de ça. C'est à cause que vous ne replacez pas votre laine au bon endroit quand vous glissez. Alors, si je répète, la mauvaise chose à faire lorsque je glisse à l'endroit, OK, c'est de reprendre mon fil comme ça pour aller tricoter du envers. C'est très important, on ne fait pas ça. Quand on glisse à l'endroit, on glisse à l'endroit et le tricot est commencé. Alors, attendez un petit peu, j'ai tout tourné ma boule autour. Hein, je l'ai glissé à l'endroit. Mon fil est derrière. Je veux faire du envers. C'est comme quand je fais des côtes. Je ramène mon fil pour pouvoir tricoter à l'envers. Parce que j'ai commencé à tricoter. Je ramène pas ça par en avant, là. C'est jamais, 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 jamais. OK? Il faut se souvenir de ça. Et là, de la façon que je l'ai faite, cette fois-ci, ma maille lisière ne sera pas défaite. Elle va être parfaite. Elle va être une belle petite perle. Elle va avoir sa petite perle. Sinon, ça aurait donné un peu un genre de chaînette, là, tout évasé, là. Mais c'est vraiment pas bon. Et ça, c'est juste le fait. OK, ma dernière. OK, regardez, là, par automatisme, j'allais le tricoter dans la mauvaise. Ma dernière, toujours à l'endroit, donc je replace mon fil et je la tricote à l'endroit. On va se refaire un autre petit deux rangs parce que c'est toujours pareil. C'est toujours, toujours, je glisse la première à l'endroit. Mon fil est bien derrière, je m'en vais tricoter à l'endroit. Et celle-là, comme je vous dis, celle-ci, on l'utilise beaucoup plus lorsqu'on fait des points avec des rangs doubles. Et je m'excuse aujourd'hui, on dirait que j'ai une grosse voix. Première maille, je la glisse à l'endroit parce que c'est ma lisière perlée.
Je ramène mon fil pour tricoter à l'envers et je poursuis. Alors, ce souvenir pour la lisière perlée, sur tous les rangs, je glisse la première maille à l'endroit et je tricote la dernière maille à l'endroit. Alors, ça, c'est pour la lisière perlée. Oups! Et voilà. Et, comme je vous ai dit, ça donne une rigidité sur la bordure, là. Mais ça n'empêche pas de rouler. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça roule? Puis on veut pas que ça roule. On fait pas du jersey. Alors ça, c'était pour la lisière perlée. On a bien compris, là, c'était quoi. On passe à autre chose. La lisière chaînette. OK? Ici, j'ai une lisière chaînette. OK? Et celle-ci ne sera jamais pour coude. On ne coupe pas avec la lisière chaînette parce que, regardez, ça occasionne beaucoup plus de trous là, que quand j'ai mes belles mailles là, de jersey de chaque côté. La lisière chaînette va plus servir à relever des mailles. Exemple, sur un talon. Un talon, lorsque j'ai besoin de relever mes mailles, mais si je n'ai pas fait ma lisière chaînette comme il faut, j'obtiendrai pas le bon ratio de mailles pour pouvoir faire mon talon. Par contre, la lisière chaînette est pas bonne si vous faites une veste. OK? Vous voulez relever une bande sur une veste sur le devant, vous ne faites pas les lisières, la lisière chaînette, OK? Parce que vous n'aurez pas le bon ratio pour votre bande. Ça, c'est une autre chose, puis je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment relever des mailles pour un devant de veste, OK? Pour avoir le bon ratio de mailles pour votre bande. C'est très important, c'est pas le même calcul du tout. Ça va vous donner quelque chose, mais comme ici, ça va le compresser. Hein? Parce que quand je fais un talon de bas, c'est important d'avoir cette courbe-là. Là. Ça vient le. Si j'en prends trop, ça va l'ouvrir. Hein? Des fois, on voit ça des gros bas là, avec des gros pieds. Là. Mais c'est ça qui fait la différence. Ma petite lisière chaînette. Ici, si je regarde à l'intérieur, là, vous allez voir, on voit super bien ma petite chaînette que je suis venu soulever. Alors, pour faire la lisière chaînette, pour relever des mailles, comme sur un talon, encore là, c'est très très simple. Là, je vais juste transférer mes mailles parce que je ne suis pas sur le bon côté. Donc, si je fais un talon, ce que je veux faire, c'est que quand je suis sur l'endroit de travail, je vais glisser ma maille à l'endroit. Je vais tricoter jusqu'à la dernière, qui est mon autre lisière, et je vais la tricoter à l'endroit. OK? Ça, c'est pour mon endroit de travail. OK, là, je n'ai pas fait comme le talon, là. Hein? Talon double, qu'on appelle. Imaginez que c'est comme un talon simple. OK? Alors, la dernière, à l'endroit. Ma deuxième lisière. Celle de droite, celle de gauche. Je pivote pour faire mes deux lisières sur l'envers du travail. Mes lisières chaînettes. Alors, ici, il faut que je glisse cette maille-là à l'envers. En prenant soin de mettre le fil au bon endroit. OK? Alors, je vais passer dessous. Je vais la glisser à l'envers. Et vous?
Et ensuite, j'ai dû en vert. Donc, là, cette fois-ci, elle peut rester en avant. Parce que c'est du en vert que j'ai besoin de faire. Je vais vous montrer si. Regardez bien. Si j'avais fait ça comme ça. OK? Là, j'aurais été pris avec, là. Là, on s'en va où, là? Et là, je serais revenu le replacer comme ça. Et là, hop, j'aurais été correct. OK? Mais par contre, ça peut mélanger. Donc, la première sur l'envers du travail, je la glisse à l'envers et le fil doit être devant. Si, bien sûr, c'est du envers que vous avez à faire qui suit, là. Sinon, il faut la replacer pour aller tricoter à l'endroit comme si je ferais des côtes. Hein? Alors, je m'en vais jusqu'à la dernière, qui est mon autre Malaisia sur l'envers du travail. Et cette fois-ci, je la tricote à l'envers. Et voilà, c'est le secret pour avoir une belle lisière chaînette pour relever des mailles sur un talon. Ou pour une finition, là, si j'avais un beau point, là, regardez, là, si j'avais un beau point comme sur mon bas ici, là, hein, j'aurais pu avoir une belle lisière chaînette de chaque côté, là, si je voudrais faire un beau foulard pour monsieur, ou, hein, ça m'aurait donné une belle chaînette, là, de chaque côté. Alors, ça pourrait être très joli si je fais ça pour un foulard aussi. Mais, par contre, il y a des façons de la faire encore plus jolie si on est en point mousse. Et c'est ça que je vais vous montrer. Alors, ça, c'était pour celle pour relever des mailles, mais dans certains projets, OK? Pas pour des bandes de veste, c'est pas bon, vous aurez pas le bon ratio. Un petit peu, mes échantillons sont ici, ils sont sur mon fil. C'est tout un sujet, les maillisères, hein? C'est particulier, là. C'est long, cette vidéo-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, puis j'aurais même pas fini, là. Il va falloir que je fasse une deuxième vidéo. Parce que techniquement, c'est vraiment mal compris. Ici, sur du point mousse, une maille d'isière, comme je vous ai montré là, au début, mes échantillons roses, j'ai pas besoin de faire une maille d'isière spéciale lorsque j'ai du point mousse pour la coude. Pour la finition, je pourrais aussi bien non plus ne pas en faire. Parce que c'est très beau là, de voir, si je reprends mon échantillon rose, là, regardez sa bordure, là, elle se finit très bien. C'est très joli aussi, là, comme ça. Mais si je veux avoir une petite bordure chaînette comme ça, comme celui-ci, qui est aussi joli mais différent. Pour pouvoir la faire ici, je vais vous expliquer comment. OK. Je vais juste me replacer parce que là, je dois faire un nouveau. OK. C'est bon. On va faire du point mousse. Là, pensez pas à ceux-là, là. On pense juste à lui, cette section-là ici. C'est celle-là que je veux faire parce que c'est elle qui est la plus belle. OK? Je dois toujours, 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 toujours glisser la première maille, qui est la maille d'hier, à l'envers. Tout le temps. Sur tous les rangs, tout le temps. Et la dernière maille, je dois toujours la tricoter à l'endroit. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Alors, c'est simple comme ça parce que je suis en point mousse. Alors, la première, je vais la glisser à l'envers, le fil devant. Je vais la débarquer. Là, celle-ci, c'est là un petit peu, là. On replace la laine et on tricote à l'endroit. Et là, l'heure est grave. Jamais, jamais, au grand jamais, la glisser à l'envers avec le fil en arrière comme ça. C'est pour ça qu'on dit fil devant. Puis continuer à tricoter à l'endroit comme ça.
Votre maille, elle n'a pas été glissée à l'envers parce que votre fil n'était pas devant. Votre fil, lorsque vous glissez à l'envers, doit être devant tout le temps. OK? Parce que vous n'aurez pas une belle maille chaînette sinon, parce qu'elle ne fera pas la torsion. Regardez, pendant que je vais porter mon fil entre les deux pour tricoter à l'endroit, j'obtiens une torsion. Et c'est ça qui est important. Cette petite torsion-là. Alors maintenant, je vais tricoter jusqu'à la fin. À l'endroit. Comme ça. Parce que là, je fais du point mousse. Comme ça. Je tourne. Je vais glisser cette maille-là, non à l'endroit, mais à l'envers. Je débarque. Je replace ma laine pour tricoter du endroit, pour obtenir ma torsion. Et je termine à la fin. J'en ferai pas plus. C'était juste pour vous montrer l'erreur que 80% des gens font lorsqu'ils glissent une maille à l'envers. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas un bon résultat. Une belle chaînette, parce qu'ils n'obtiennent pas cette belle torsion-là là, lorsqu'on vient reporter notre fil. Alors, c'est ça le succès de la belle chaînette sur un point mousse. Ici, pour faire cette erreur-là, OK? Parce que ça, c'est vraiment une erreur, là. Ça peut vous paraître joli, là, mais si vous regardez comme il faut, là, ça défait toute ma bordure, là. Hein? Ça fait comme un tricot par rapport à côté, là. OK? Pour faire cette erreur-là, OK, pour obtenir cette erreur-là, c'est le fait de, si mettons ici, là, je l'ai toujours glissé à l'envers, la première. Si je me trompe et je la glisse toujours à l'endroit, OK, et j'observe la même chose sur celui-ci, là, mais au lieu de glisser à l'envers, je glisse à l'endroit, alors c'est ça que ça va me donner. Ça va me donner comme une bordure décalée de mon tricot. Et c'est vraiment pas joli. OK? Alors, c'est l'erreur souvent que des personnes vont faire. Parce que on leur a dit juste de glisser une maille, donc ça veut rien dire. Il faut vraiment savoir quoi glisser puis comment la glisser. Ici, une autre formule de chaînette, mais qui n'est pas la bonne. OK? Je vous explique l'erreur souvent aussi que les gens font sur celle-ci. OK. On se rappelle que lorsque j'ai fait celle-ci, hein, pour avoir la petite torsion, là, c'est que je glissais toujours la première à l'envers et je tricotais toujours la dernière à l'endroit. OK? Si vous seriez tenté pour essayer sur du point mousse, la lisière chaînette qu'on fait sur le talon, OK? Qui est sur l'endroit de travail. Attendez plus, je vais reprendre mon échantillon. Non, pas celle-là. Non. Sur l'endroit de travail, je la glisse à l'endroit, je la tricote à l'endroit, et sur l'envers, je la glisse à l'envers, et je la tricote à l'envers. Ben, oui, ça va donner une lisière chaînette, mais beaucoup moins belle qu'ici. Regardez la différence, là. Je vais mettre les deux à plat. Elle est beaucoup plus ferme, elle se tient mieux, à cause de la torsion. Tandis qu'ici, on élimine la torsion et ça me donne quelque chose de plus évasé. C'est quand même pas si pire, mais c'est plus évasé. Alors, si pour faire celle-ci, ça serait l'erreur que vous feriez, ça serait de choisir comme sur un talon. Alors, quand on est sur l'endroit de travail, je la glisse à l'endroit. Fil derrière, je tricote à l'endroit. Et là, je tricote mon fil de ma circulaire aussi en même temps.
Attendez un peu que je dégage. Ok. Je tricote à l'endroit. La dernière, je la tricote à l'endroit. OK? Et si je suis sur l'envers du travail, à ce moment-là, quand je fais un talon, je viens glisser ma main à l'envers, hein, la première sur l'envers du travail. Je me replace et je la tricote à l'endroit parce que je fais du point mousse. Jusqu'à la fin. Et la dernière, vu que je suis sur l'envers du travail, il faudrait que je la tricote à l'envers. Hein? Parce que là, je fais comme sur les talons. Alors, oui, ça en donne une, mais ça me donne un tricot moins précis qu'en bas. Donc, si je la mets à plat, là, beaucoup plus précis qu'ici. En tout cas, vous ferez le test, là, puis vous allez comprendre que c'est beaucoup plus flexible que ici. Ici, elle garde sa forme, son élasticité. C'est beaucoup plus beau. Et là, là, j'entends encore une vidéo que j'ai écoutée avant de faire celle-là, là, de le prendre dans le brin derrière pour la tordre. C'est pas ça qu'il faut faire. Là. L'important, c'est de bien passer ma laine au bon endroit, d'avoir la bonne tension et on obtient la bonne lisière. OK? Si je me mets à faire du torse là-dedans, je viens de tout changer ce que je fais. Et ça risque de défaire la régularité. OK? C'est vraiment important de bien le faire. Alors, aujourd'hui, on arrête là, parce qu'il y a encore plein d'autres choses à dire sur les mailles lisières. Mais, on va tomber plus dans les mailles lisières de bordure dans la suite. OK? On parlera plus de lisières pour relever des mailles ou ci ou ça. C'est plus pour des bordures de finition. Et là, il y en a tout plein de sortes, mais c'est pas des bordures. C'est pas des lisières, c'est des bordures, les autres. OK? C'est autre chose. J'ai vu aussi, vous allez dire, elle a pas parlé de la lisière perlée double. Ça, attendez, là. Parce que dans toutes les années que j'ai tricoté, j'ai jamais eu besoin à faire ça. Premièrement, je trouve pas ça joli. Puis, deuxièmement, la lisière perlée double, dans le fond, c'est pas ça. Là. C'est la première, oui, c'est la perlée, mais la deuxième, c'est une maille mousse. Hein? Une maille de point mousse. C'est qu'on pourrait faire trois mailles, puis continuer avec le point qu'on a besoin. T'sais? Ce qui est important de savoir, c'est toujours la première et la dernière. Ce qui suit ou ce qui est après, là, on commence à parler de finition de bordure ou autre chose. La lisière, c'est la première, la dernière. Est-ce que je veux faire des coutures? Quel est mon point? Quelle situation j'ai? Combien de mailles j'ai? J'ai des nombres impairs, des nombres pairs. Tout ça rentre en ligne de compte. Alors, s'il vous plaît, prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire « Est-ce que tu glisses la première? » Regardez-la et expliquez-y ce que je viens de vous expliquer. Ou dites-lui l'adresse de ma vidéo pour qu'elle comprenne que c'est n'importe quoi dire ça. Ou qu'il comprenne que c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes, mais les hommes sont beaucoup plus techniques. Hein? Je m'excuse, là, mais mesdames, mais les hommes sont plus techniques. Donc, souvent, eux vont essayer de comprendre la compréhension. Alors, je vous souhaite un bon tricot. J'espère que je ne vous ai pas traumatisé. Mais c'est ça la lisière. Alors, bon tricot, puis la suite dans un prochain vidéo de lisière.